Allahu Ekber, Allahu Ekber. La ilahe Chers spectateurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'émission de la jurisprudence islamique. On parle toujours au sujet de la salade qui est un pilier, un parmi les piliers de l'islam. Et une des conditions pour la salade, c'est bien la propreté. Inch'Allah, pour cette émission, nous allons aborder quelques questions au sujet de la propreté et ensuite en venir à d'autres questions. Nous accueillons ici Murabbi Nour Saheb et Murabbi Shamim Saheb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Notre première question de cet épisode est dans le cas où une personne a commencé, Shamim Saheb, dans le cas où une personne a commencé sa prière et puis elle réalise qu'elle n'a pas fait ses ablutions. Alors que doit-elle faire? A'udhu billahi minash shaitani rajim, bismillahir rahmanir rahim. Comme on avait mentionné auparavant, la propreté, le tahara, est une des conditions essentielles pour l'observance de la salat, de la prière. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement informé dans un des hadiths que la yakbalullahu illa bituhurin. La yakbalullahu salata illa bituhurin. Que Allah Ta'ala accepte la salat seulement quand elle est offerte après l'ablution. Ou le tayammum, si l'eau, on ne trouve pas d'eau pour faire l'ablution. Donc, de ce fait, si quelqu'un il se souvient pendant la salate qu'il a oublié de faire l'ablution avant de commencer sa salate, il doit nécessairement arrêter sa prière et faire l'ablution comme il se doit, et ensuite il doit recommencer la prière, la salate à nouveau. Et la même chose va s'appliquer si une personne se rappelle après la salade, il s'en souvient après la salade qu'il n'avait pas fait l'ablution, il doit nécessairement faire l'ablution et offrir cette salade à nouveau. Jazakallah, Shamim Saheb. Donc, une personne doit, s'il a oublié de faire ses ablutions avant la prière, et il a fait la prière aussi, donc il doit refaire, il a fait ses ablutions, ensuite refaire la prière. En parlant de l'ablution, une autre question, nous savons, qui est fréquemment posée concernant l'ablution, est que est-il nécessaire de faire ces ablutions après un bain? Okay. Si la personne a offert le roussel, le bain, d'après la pratique, la tradition du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, alors il n'est pas nécessaire de faire l'ablution à nouveau. Mais ici, par exemple, dans un hadith mentionné par Hazrat Aïcha radhiyallahu ta'ala anha, que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam ne faisait pas d'ablution, le wuzu, après avoir fait le roussel. Mais quand on parle de roussel, ici on parle de roussel masnouna, c'est-à-dire un bain d'après la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Exactement comment lui, il a offert comme il a pris un bain, c'est de cette manière qu'on doit prendre un bain qui va être appelé roussel. Donc après cela, il n'est pas nécessaire de faire l'ablution. Mais Hazrat Musleh Maoud Rezalat Al-Anho explique dans son livre Tafsir Kabir concernant l'ablution et le roussel que pour chaque acte, il doit avoir une intention. D'ailleurs, on en avait parlé que même pour la salade, il doit avoir l'intention pour offrir cette salade. Pour l'ablution et le roussel, c'est-à-dire un bain, il doit avoir l'intention. Par exemple, dans ce cas, si quelqu'un qui est tombé dans une rivière ou dans l'eau où il est en train de marcher dans la pluie, donc il n'a pas l'intention de faire le roussel, mais son corps va être mouillé impérativement. Dans ce cas, ça ne va pas être compté comme roussel masnouna. Parce qu'il n'a pas fait l'intention. Il n'a pas fait l'intention de se doucher
de prendre un roussel comme la pratique du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans ce cas, le wuzu va être nécessaire. Jazakallah nous sahib. Maintenant une autre question toujours concernant la propreté. Si un fidèle vient à la prière en congrégation à la mosquée après avoir fait du sport et par conséquent il est en sueur, il veut se joindre à la prière, doit-il prendre un bain avant ou peut-il prier dans cet état? Souvent c'est pas seulement le sport, peut-être il a fait des exercices ou travaillé, il est en sueur, donc peut-il se joindre à la prière? Oui, il peut se joindre à la prière. Comme on avait mentionné, parmi les cinq conditions de la salate, une de ces cinq conditions est l'heure prescrite pour les différentes prières, les différentes salates. Et Allah nous a dit dans le Saint-Coran, « Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban maqouta » que c'est obligatoire pour les croyants d'offrir les prières, les salates à des heures fixées. Donc, pour cela, si quelqu'un il veut faire des exercices physique ou pratiquer un sport quelconque, il doit s'assurer qu'il termine ses activités bien avant l'heure pour la salate afin qu'il puisse se doucher et se rendre à la mosquée à temps pour offrir la salate. Néanmoins, si par accident ou par contrainte, exceptionnellement, l'heure de la salate est arrivée et la personne en question, il peut, sans se doucher, faire l'ablution, peut-être se changer les habits, se parfumer un peu avant de se joindre à la congrégation. On n'a pas d'excuse concernant la salate. Si par exemple on est en sueur, on peut pas prier. Non, ce n'est pas une excuse. Sauf si la personne, bien sûr, doit obligatoirement se doucher selon les lois de la charia avant d'offrir la salate. Mais la sueur n'empêche personne de prier. Dans les hadiths, il est mentionné qu'une fois un groupe de paysans et un groupe d'agriculteurs, ils sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam afin que le prophète leur donne la permission de ne pas offrir la salate. Parce que selon eux, à cause de la nature de leur travail, de leur tâche, leurs habits étaient tout le temps couverts de terre, de sueur et même d'autres impuretés. Mais le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé catégoriquement en disant que si on enlève la salate, il n'y a pas de dîn, il n'y a pas de religion. Donc il n'y a pas échappatoire en ce qui concerne l'observance de la salate. Mais on doit mentionner ici que cela ne doit pas être l'habitude d'une personne que quotidiennement il vient à la prière après avoir fait des exercices, parce que cela peut incommoder aussi les fidèles. Il doit prendre tous les précautions nécessaires afin de ne pas incommoder les autres qui sont à la mosquée. Disons que là, en bref, il faut prendre ses précautions, mais si on est dans ce cas où on est en sueur, on peut se joindre à la prière en congrégation. Disons que là, une autre question, toujours concernant la salade, mais pas concernant l'ablution. Une chose aussi importante, c'est concernant que si quelqu'un a très faim, et le repas est prêt, il est affamé et le repas est prêt, alors que la prière en congrégation va être dite. Que doit-elle faire? Doit-elle se joindre à la prière ou manger d'abord? Okay. D'après la pratique du saint prophète, d'ailleurs qui a été mentionnée dans les traditions, dans les ahadiths, on peut constater qu'il y a deux aspects de cette question concernant l'heure de la salade et la nourriture. Tout d'abord, si quelqu'un a faim et que la nourriture est déjà prête et s'est servie à table, et pour cette personne, ce sera difficile de supporter la faim pendant la salade. Donc, la logique demande que cette personne doit manger d'abord, rapidement, afin qu'il puisse offrir la salade dans un état où il peut concentrer dans sa prière. Mais s'il a faim, s'il est affamé et il se met debout pour la prière, logiquement, il ne pourra pas se concentrer dans la prière. Donc, mais si la nourriture est servie et cette personne n'a pas extrêmement faim, il peut attendre que la salade soit terminée. Ensuite, il va consommer cette nourriture. Donc, c'est mieux que cette personne. D'abord, il va offrir la prière. Ensuite,
consommer cette nourriture. Même que le repas est prêt. Même si la nourriture est prête. Par exemple, dans les livres de hadith comme ici dans Tirmizi, il est rapporté que une fois la nourriture a été servie à table pour la nourriture du soir, et le temps de la salade était arrivé. Quelqu'un a appelé Azan. Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a même autorisé à quelques de ses compagnons d'aller consommer la nourriture d'abord. Ensuite, ils vont se joindre à la prière. Donc, de cet hadith, on constate que cet premier aspect a été mentionné. Il faut consommer la nourriture d'abord, ensuite se joindre à la prière. Mais dans cet hadith, ce qui a été aussi mentionné, c'est que ces personnes-là, ces gens qui ont été accordés la permission d'aller consommer la nourriture, c'était des gens qui ont pris de la nourriture tôt le matin. Ils sont partis dans les champs, ils ont travaillé très dur pendant toute une journée. Ensuite, ils sont revenus et c'était l'heure de la prière, alors que la nourriture était déjà servie. Donc, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam les a autorisés d'aller consommer cette nourriture, ensuite de rencontrer la salade. Mais dans le livre connu comme Sahih Bukhari, une autre hadith a été mentionné que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam était à table, il était en train de couper un morceau de viande pour manger, et il a entendu l'appel à la prière, le azan. Donc c'était le moment pour aller prier. Mais déjà la nourriture était servie. Il était même au point de consommer cette nourriture. Il a laissé son couteau et il s'est mis debout. Il a rencontré la congrégation pour offrir la salade Bajamal. Donc les deux cas ont été mentionnés dans les hadiths, mais dans des situations complètement différentes. Et aussi, il faut se rappeler que le saint prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait été physiquement fort. Il avait la capacité de se concentrer dans la prière, dans n'importe quelle situation. Cet aspect aussi a été mentionné dans les ahadiths. C'est ça que là, nous, Saïb, de nous éclairer ce sujet. C'est un sujet très important. Je pense qu'il y avait des un peu malentendus à propos de ça, que quand le repas est prêt, donc on doit manger, on ne doit pas se joindre à la prière. Donc, comme vous avez entendu, chers téléspectateurs, que quand même le repas est prêt, mais si vous pouvez tenir votre faim, vous devez vous joindre à la congrégation. Ce sont dans des cas extrêmes où vous avez très faim alors que vous mangez avant de faire la prière en congrégation. Jazakallah. Une prochaine question, toujours concernant la salade. C'est que où doit-on regarder en priant, et est-il permis de prier les yeux fermés? Comme nous le savons bien de mentionner, c'est le même principe qu'on va appliquer ici. Pendant la salade, on doit tout faire pour maintenir la concentration. La concentration est quelque chose de base si on veut offrir la salade d'une façon appropriée. Donc, on doit tout faire pour garder nos pensées tournées vers la salade. Donc, afin de faciliter cela, les fuqaha, les juristes, en se basant sur la pratique, le sunnah du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont prescrit que durant la salade, on doit garder nos yeux baissés. Et en fixant la région entre nos pieds et là où on se prosterne, durant le sajda, et en se courbant, c'est-à-dire dans le posture de ruku, on doit regarder vers la direction de nos pieds, vers le bas, en fixant nos pieds. Et quand on est debout, dans la position de qiyam ou de qawma, on doit regarder là où on se prosterne durant le sajda. Et ce n'est pas approprié, c'est makruh. De makruh, cela signifie quelque chose qui n'est pas approprié, qui n'est pas convenable, de regarder ça et là pendant la prière, car cela va nuire à notre concentration pendant la salade. En ce qui concerne garder les yeux, prier avec les yeux fermés, garder les yeux fermés pendant la salade, Hazrat Masih Maud alayhi salam nous a clairement informé que c'est quelque chose qui est makruh aussi, qui n'est pas approprié,
Pourquoi, premièrement, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il ne priait pas les yeux fermés? Et deuxièmement, Hazrat Masih Maud alayhi salam nous a expliqué le pourquoi de cela. Il nous dit que en fermant les yeux, cela va engendrer la paresse ou la nonchalance dans l'homme, donc qui n'est pas approprié pour la salat. C'est un fait qu'on observe quotidiennement d'ailleurs, si on est dans la présence de quelqu'un qui mérite toute notre attention, c'est un manque de respect qu'on ferme les yeux quand on est devant cette personne. Donc la même chose, le même principe va être appliqué ici pendant la salat. Et aussi, le fait de fermer les yeux va engendrer la paresse, et la paresse pendant la salat, c'est une des qualités des hypocrites qui a été mentionnée dans le Saint-Coran. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Que les hypocrites sont ceux, quand ils se mettent debout pour offrir la salat, ils offrent leur prière d'une façon qui n'est pas appropriée, avec de la paresse. Donc on doit tout faire pour éviter cela. Jazakallah. Maintenant, nous tournons vers deux questions qui concernent la salat de la Eid. La première est que une personne qui se joint à la prière de l'Eid après la première raka, doit-elle compléter cette raka qu'elle a manquée en congrégation? Concernant la salat de Eid, il y a deux rakat et il y a sept takbirat pour commencer la première rakat, et ensuite il y a cinq takbirat pour débuter la deuxième rakat. Mais si quelqu'un a manqué la première rakat, donc là, une recherche a été faite basée sur les ahadiths, sur les traditions et surtout sur les pratiques des khulafa'i rachidin et des awliya. Donc cette recherche a été conduite et les résultats ont été présentés devant Hazrat Khalifatul Masih Rabi, le quatrième calife, rahimahullah. Donc la décision qu'il a approuvée, c'est que si une personne rejoint la salat de Eid dans la deuxième rakat, alors il doit remplacer la première rakat. C'est aussi simple que ça. Mais dans ce cas, comme on avait mentionné que dans la première rakat, il y a sept takbirat à haute voix que le imam doit faire. Les sept takbirat sont à haute voix. Dans ce cas, cette personne qui rejoint la salat de Eid dans la deuxième rakat, il va se mettre debout après la salam de l'imam et la congrégation. Il va se mettre debout, il va faire les sept takbirat, mais à voix basse. Il va faire les sept takbirat, ensuite il va compléter la salat qu'il a manqué, comme on remplace les rakat normalement, comme on remplace les rakat normalement pour les autres prières. Jazakallah nous saheb. Et la deuxième question concernant la salat de Eid, et de la même façon, que faire si quelqu'un manque complètement la salat de Eid et il est arrivé à la mosquée alors que la salat a été complétée, a déjà été faite? Et peut-il offrir cette salat seul? Si la personne a manqué une rakat, elle a la permission de compléter cette rakat, mais si la salat est déjà terminée, elle ne peut pas offrir la salat de Eid seule. Parce que la salat de Eid est une salat qui est classifiée comme farz-e kifaya. En d'autres mots, c'est une salat que si un parti des musulmans l'a déjà observée, cela suffit pour toute la communauté des fidèles, des croyants. C'est la même catégorie que la salat de janaza. Oui, farz-e kifaya. C'est la même catégorie que la salat de janaza. Donc si la salat de Eid a été offerte, un retardataire n'a pas la permission de l'offrir seul. Jazakallah Shamim Saheb. Donc, chers spectateurs, autant prendre nos précautions pour la salat de Eid et des autres prières en congrégation. Jazakallah à vous aussi. Les questions concernant la salat de Eid est terminée. Voici une autre question concernant la salatul kasal, qui veut dire la salat qu'on fait quand on est en voyage. La question nous sert, quand on est en voyage, normalement la salat est abrégée, c'est-à-dire le nombre de rakat est diminué. Néanmoins, est-il possible de faire la salat intégralement comme elle est faite normalement si on trouve le temps, un endroit et les facilités convenables? Ok. Qu'est-ce que la salat?
dans les ahadiths, ça a été mentionné que la façon la plus parfaite de l'adoration, de ibada, c'est la salat. Et la salat et ibadat demandent qu'il y a un niveau parfait de l'obéissance à Allah Ta'ala d'abord et au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme mentionné dans l'épisode précédent, que si on veut atteindre Allah Ta'ala, la façon est d'obéir le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et de suivre ses pratiques. Donc, à cet égard, Allah Ta'ala a prescrit un certain nombre de rakat pour les différentes prières, surtout pour les cinq prières quotidiennes. Et le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir ses salats d'après les instructions divines qu'Allah Ta'ala l'a envoyé. Et nous aussi, on a adopté ces pratiques du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme il a été enseigné par Allah Ta'ala. Et Allah Ta'ala a enseigné au saint prophète sallallahu alayhi wa sallam que pendant le voyage, peu importe la façon dont le voyage va être exécuté, c'est le voyage. Pendant les voyages, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude d'offrir les cinq prières quotidiennes dans une façon qui est spécifique, qui est bien définie. Donc, pour la salade de Fajr, pendant le voyage, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam offrait deux rakat de sunnah et deux rakat de farz. Pendant le voyage, pour la salade de Zuhar et Asr, il offrait seulement deux rakat pour Zuhar et deux rakat pour Asr. Et il n'y avait pas d'autres sunnah ou nawafil. Concernant la salade de Maghrib et de Isha, il avait l'habitude d'offrir trois pour Maghrib et deux pour la salade de Isha et trois witr. À part cela, il n'y a pas d'autres salades qu'il avait l'habitude d'offrir pendant les voyages. Jazakallah, nous sahib. Donc, autant faire comme l'exemple parfait a fait le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam et d'observer de ne pas faire intégralement, mais de faire la salatul kasal comme il doit se faire. Une dernière question pour conclure cet épisode. Selon l'islam, pendant les menstrues, les femmes ne peuvent pas offrir la salat. Mais qu'en est-il de la récitation du Saint-Coran? Si une dame prend toutes les précautions d'hygiène nécessaires, par exemple en portant des habits qui sont propres et en tenant un morceau de tissu qui est propre dans les mains, elle fait la récitation du Saint-Coran pendant ces jours, on n'a pas le droit de l'en empêcher. Mais c'est un acte, c'est quelque chose qui ne doit pas être encouragé car cela n'est pas approprié. Occasionnellement, si une dame, par exemple, si elle doit enseigner aux enfants la lecture du Saint-Coran, la lecture de quelques versets du Saint-Coran, ou elle cherche la référence spécifique d'un verset quelconque, ou si elle lit un livre et il y a un verset du Saint-Coran dans ce livre, elle peut faire cela sans problème. Cependant, s'asseoir avec le Saint-Coran en main, pour en faire la récitation, le tilawat, comme dans les jours normaux, n'est pas tout à fait convenable et ne doit pas être encouragé. Idem pour la récitation par cœur, si elle a mémorisé quelques portions du Saint-Coran, ce n'est pas tout à fait convenable durant ces jours d'en faire la récitation. Comme, afin de mieux comprendre cela, on voit que la salat est une forme d'adoration. Et pendant ces jours, les femmes n'ont pas le droit ou la permission d'offrir cette forme d'adoration. La même chose va s'appliquer pour la lecture du Saint-Coran. Si quelqu'un veut lire le Saint-Coran pour en faire le tilawat comme une forme d'adoration, cela n'est pas approprié. Mais si elle veut simplement enseigner aux autres ou chercher un verset spécifique, cela peut se faire sans problème. Pour résumer, donc c'est permissible, mais c'est pas approprié de le faire l'arrestation du Saint-Coran pendant les menstrues. Jazakallah, c'était la dernière question de cette émission. Jazakallah à vous, nous, Saheb et Shamim Saheb.
Cher spectateur, Jazakallah à vous aussi. Inch'Allah, on se donne rendez-vous pour la prochaine épisode de la jurisprudence islamique. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.